Ah, tabarouette. Ouais. Là, Max, tu vas avoir un beau défi, hein? Ouais, là, attends, je veux juste voir de là, quoi. T'auras pas le choix, là. T'as amené pas mal de stock? Par en arrière, de même, ça marche-tu? J'ai déjà joué un jeu avec un bop et une patate, de même, entre les gens. Mais pour vrai, tu sais, là, j'ai vu que j'allais avoir les pieds dans le sable puis les mains en haut. Fait que là, j'ai amené sandwich, fire 8, fire 6 puis mon driver. OK, gars. Ben écoute, la bonne affaire, c'est que tu t'es amené du choix. Fait que on va éliminer quelques affaires. Ouais. Ça, on va l'éliminer. Ton sandwich, ton driver aussi. Ton fire 6, ça aurait pu être une bonne option. Okay. Maintenant, je pense que ton 8 va être ton meilleur choix ici. Hey, là, t'as vraiment pas le choix d'avoir les pieds dans la trappe, puis la balle est en haut. Fait que là, la balle est quasiment un pied et demi plus près facile. De toi. Fait que les mains, faut pas que t'aies peur de descendre sur la tige de métal. Ah, exactement. Ça, tu peux te rapprocher un petit peu. Puis il va falloir que tu vises un peu à droite, parce que vu que la gravité t'amène beaucoup à gauche, tu vas avoir tendance à tirer ton cou. Okay. Puis là, ben, tu t'assures... C'est vraiment ça ici qui va être important. Tu fais ton élan arrière, presque pas de poignet. Puis cette portion-là, tu veux vraiment aller la porter vers la cible. Lève les mains. Exactement. Tu veux aller vraiment faire une extension vers ta cible. Puis tu y vas smooth. C'est comme un genre de un chip long pote, là, tu sais. Là. Tu vas avoir roulé. Tu sais, tu vas la faire tomber, juste passer la frise, puis tu la laisses aller. Mais extensionne ton triangle vers la cible. C'est ce qui va être vraiment important. Pas le genre de shot qu'on fait. C'est ça. Balance ça en douceur. C'est ça. Exactement. Regarde. Là, ouais, c'était fort un peu. Restait accroché là. Un petit peu là. Fait que t'aurais pu y aller encore juste un peu plus smooth. Ouais, fait que, ouais. J'ai envie de l'essayer avec une balle. Vas-y. Puis, vas-y. T'as tout ça en stock, t'as parfait, ouais, ouais. Excellent. Fait que, regarde, on la met là. Fait que là, on n'a pas le choix, tu sais. On est vraiment rapproché. Regarde mes mains, j'ai mis bien, bien basse. C'est quasiment comme un long pot. Poisse la jambe dans l'avant. Exactement. Tu sais, je la laisse aller, je la laisse rouler en douceur. Fait qu'en prenant un bâton avec pas trop d'ouverture comme un 8, ça te permet d'avoir une légère envol puis une balle qui roule. Si tu t'installes ici avec un sandwedge, c'est trop lofté. Ouais, puis vu ça. Qu'on descend les mains sur la tige, on n'a plus de levier. Là. Fait que ouais, la balle, tu vas, elle va lever, elle n'avancera pas. Tu vas finir ici dans le rough. Ah non, c'est vrai, totalement. Fait que tu sais, un petit fer 8, puis regarde, t'as vu comment j'ai pas swingé fort. J'ai juste fait comme un long pot, puis sa balle a sorti. Ah ouais, puis t'es à 3 pieds du trou. Ouais, ça c'est. C'est-tu gamey, ça, 3 pieds? Oh, ouais, c'est gamey. Je vais aller reporter mon driver, moi j'en ai pas besoin.